Hola, coño. Non, 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 ça y est, je sors de ce perso de fou, là. Je sais pas pourquoi, les frères, avant de tourner la vidéo, j'étais en mode narcotrafiquant, tu vois. Alors que c'est pas du tout le concept de la vidéo, les frères. Aujourd'hui, on va faire le putain de test de pureté, les frères. Alors, attention, est-ce que le SKRT est pur? Est-il impur? Est-ce que, je sais pas, franchement, je sais pas, tu vois. Et là, par contre, il y a un truc qui me choque. Pourquoi il y a le putain de langue ch'ti sur le truc? Et j'teste, il consiste, une question, t'isote, t'es complète pas. Ah, c'est bon, ça m'a saoulé, wesh. Bon les frères, je vais pas vous faire patienter, vous inquiétez pas, je vous lance directement l'intro et d'ailleurs regardez là les gars, j'ai fait une petite modif, normalement c'est mieux. Bon, les amis, est-ce qu'on passerait pas aux putains de choses sérieuses, là? Attendez, avant, quand même, je suis en train de penser, tu vois, parce que, bon, on a tous vu des vidéos de man qui font des tests de pureté, tout ça, mais il y a aucun bâtard qui dit, avant, comment il pense, tu vois, comment il pense le truc, comment ça va se passer et tout. Donc, voilà, moi, je dis, les gars, on va essayer de se projeter un peu, voir, est-ce que, d'après moi, est-ce que je suis pur ou impur, tu vois ce que je veux dire? Je pense pas que je suis pur à 100%, hein, normal, logique, mais je pense pas que je suis impur, quand même, tu vois ce que je veux dire? En mode, l'alcool, c'est pas trop, tu vois, j'ai pas trop fait de folie, la drogue en soi, j'ai pas... T'as capté quoi. Puis le sexe, frérot, disons que j'ai roulé plus de pétards que t'as capté quoi, toi aussi. Bon, allez, ça y est les frères, vous êtes assez foutus de ma gueule. On passe tout de suite au test de pureté les frères, on commence là. Ok, la classique, avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Les frères, on est obligés, hein, désolé, je vais rien dire, mais voilà, c'est normal. Avez-vous déjà ri d'une personne physiquement, mentalement? Mais frérot, tu connais aussi, ils disent ça, on a été jeunes et tout, on a fait des trucs, tu vois ce que je veux dire? Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? En vrai, c'est genre de truc, ça a dû arriver, franchement, je sais même pas. Ok, là, c'est du sérieux direct, là. Combien de fois êtes-vous fait arrêter? Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais vous avez capté la question, les frères. Bon, personnellement, les gars, je crois, en vrai, franchement, arrêter, en mode arrêter contrôle, tu vois, je sais pas, franchement, ça a dû m'arriver... trois fois dans ma vie, tu vois. Trois fois dans ma vie, les gars. Et une fois, c'est parti en couille. D'ailleurs, j'ai rendez-vous au tribunal lundi prochain, les gars. Lundi qui est là, juste après que vous avez été mal à la vidéo. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Est-ce que c'est normal, c'est un youtubeur, il vous dit ça? Je crois pas, mais bon. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Attention, est-ce que vous êtes festif? Ben oui, quand même. Attention, avez-vous déjà été vif? Bien sûr. Pendant plus de 48 heures, là, frérot, faut pas abuser quand même, tu vois. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? À qui ce n'est pas arrivé, même? Franchement, putain de merde, ça m'est même arrivé le week-end dernier, je crois. Attends, celle-là, elle m'a tué, ouais, je vous ai... Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez... Non, là, les frérots, quand même, pissé dessus, en mode, tu t'en rends pas compte. Enfin, ça dépend. En vrai, on va penser que... Enfin, on va dire non, tu vois, parce que jamais, en mode, ça m'est arrivé, j'étais en mode, oh, damn, je suis trop bourré et tout, tu vois, t'as capté, non. Et attendez, je suis en train de penser, là, on parle d'alcool et tout, on le délaisse un peu, celui-là, là, quand même, je l'ai pas roulé pour rien. Damn! Ah, ça m'est très bien, les frères. Sachez que j'ai débauché en plus, il y a genre une petite heure, tu vois. Donc, tu connais, on est en détente là, ça fait plaisir. Bon, avez-vous déjà participé à des jeux à boire quand même, les amis? Je pense maintenant on connaît tous le piccolo, tu vois. Je pense qu'on a tous fait au moins une partie de piccolo dans notre vie quand même. Non. Avez-vous déjà assez bu pour vomir? Bien sûr, frérot, ça m'est même déjà arrivé avec le bédo, wesh, quand même. Ah, celle-là, elle est drôle. Avez-vous déjà vomi sur vous ou quelqu'un d'autre? Franchement, oui. Franchement, t'as capté en mode... je suis pas là en train d'essayer de me justifier, croyez pas, les frères, mais t'as capté, t'es bourré ou quoi, tu vois, tu vomis, ça arrive, t'en es sur Watt un peu, tu vois, ça peut arriver que ça parte plus ou moins en couille, t'as capté. Ah, alors celle-là, vous êtes déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Jamais, les amis. Ça m'est jamais arrivé. Parce que bon, en vrai, j'ai pas trop fréquenté ce genre de lieu, tu vois. Donc, bon, pour que je sois là jusqu'à foutre le bordel et me fasse virer quand même. Je pense la fois où juste ça pourrait m'arriver, c'est genre, je sais pas, en boîte et tout. Je suis trop excité, tu vois. Je fais trop de zinzinerie, je commence à tomber, des trucs comme ça, tu vois. Pas en mode, tu vois, je me serais tapé ou quoi. Parce que bon, franchement, les gars, moi, je suis pas un bagarreur, t'as capté. Reste chill, man. Yeah, man! Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit-déj? Non, les frères, ça, c'est dégueulasse. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? C'est quoi cette question, wesh? Non, non. Vous êtes déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Non, même pas, frérot. Je reste conscient. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Ça, c'est dégueulasse, putain de merde. Mais qui fait ça?
qui fait ça, wesh. Même inconsciemment, comment tu fais, tu vois, que... Non, t'avales pas sans faire exprès, frérot. Et ça vaut aussi pour toutes les meufs qui nous regardent, là. Désolé, hein. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? En vrai, je suis en train de penser, je sais même pas, tu vois. Parce que pour moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vomi comme ça dans un endroit où j'ai regretté, tu vois. Souvent, c'était chez moi ou chez des potes, tu vois. Donc, en vrai, non, je crois pas. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Bah, les gars, quand même, je pense qu'on a tous fait un petit arrêt pipi room in the street, tu vois ce que je veux dire. Dans des petites ruelles sombres et tout, tu vois, ça vient se mettre, ça lâche le bail et tout. Et puis voilà, quoi. Putain, merde, respectez-nous un peu, on peut pas se retenir trop longtemps des fois. Avez-vous déjà essayé la drogue? C'est quoi cette question de zinzin? Oui, quand même, attention. Indiquez le nombre de drogues essayées. Bon, alors là, franchement, les gars, je vais essayer de me souvenir un peu, tu vois, ça va cogiter. Parce que je sais pas, franchement, pour moi, j'en ai pas essayé des beaucoup, mais en fait, vu qu'il y a tellement de trucs qui sont considérés comme une guedro maintenant, que voilà, t'as capté, quoi. Franchement, les gars, pour être honnête, je viens de faire le compte, et franchement, je suis à 4, tu vois, mais dites-vous, jamais des bails de dur, jamais des trucs chelous et tout, les gars. Franchement, le pire truc qui ait pu m'arriver, c'est... Ah, je sais même pas, parce qu'en vrai, il y a même pas de pire truc, tu vois. C'est tous des trucs où ça passe encore, tu vois. Bon, bref. Avez-vous déjà été défoncé pendant plus de 48 heures? Alors là, bonne question. Franchement, en vrai, non. Franchement, non, tu vois. Faut prendre des trucs hardcore pour que ça dure aussi longtemps, tu vois. Et non. Consommez-vous des drogues régulièrement? Ah là là, quel tigné, putain de merde. Plus de 4 fois par semaine. Et oui, avez-vous... Oui, putain de merde. Avez-vous déjà vendu? Alors ça, les amis... Vous inquiétez pas, c'est pas des bails bizarres ou quoi, je suis pas... Non, c'est pour dépanner des amis ou des trucs comme ça, tu connais, tu vois. On est pas dans des choses illicites, les amis, nous, quand même. Pour financer votre... Non, quand même pas, tu vois, je suis pas à ce stade, tu vois. C'était surtout, ouais, pour dépanner ou... Voilà, quoi. Avez-vous déjà été en bad trip? J'ai une notion peut-être un peu compliquée de bad trip ou je sais pas, tu vois, mais j'ai déjà été dans des moments où je me sentais un peu mal et tout, tu vois, mais genre, au final, c'était quand même une bonne expérience et j'ai kiffé après, tu vois. Et pour moi, j'ai pas vraiment eu de vraiment bad trip. Enfin, de toute façon, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Ceux qui veulent en savoir plus, tu vois, ou même je lis vos pires bad trip, je crois, en même temps. Enfin, je sais plus. J'ai tourné tellement de bangers, les frères. Excusez-moi, putain de merde. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était... C'est quoi cette question de taré? Non, j'ai jamais fait ça, frère. T'es un ouf, toi. Avez-vous déjà... Non, mais frère, moi, je suis pas dans ces bails-là. Hein. Franchement, je suis pas dans ces bails-là, les gars. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? En vrai, la tête de homme, je suis en train de penser, les gars, mais en vrai, je crois, j'ai même pas eu de vrai rendez-vous, en mode, c'était un vrai rendez-vous, t'as capté, un vrai date, tu vois le mot date. En vrai, non, ça m'est jamais arrivé, hein. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un? Ah là là, on est des peloteurs ici, ça a déjà peloté, mon gars, bien sûr. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Bon, quand même, oui, tu vois. Avez-vous déjà payé pour du sexe, frère? Non, jamais on fait ça, t'es un ouf. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Ah, alors là, c'est une autre question. Voilà. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunnilingus? Attention, les amis, ça dit les termes. Bon, est-ce qu'on a été impliqué ou pas, là? Putain de merde, les frérots, je crois. Désolé, les frères, je suis totalement impliqué, putain de merde. Oh, c'est des ouf, les frères, jusqu'à l'orgasme. En vrai, oui, hein, quand même, je pense que oui. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Non, jamais testé ce genre de conneries. Avez-vous déjà fait un 6-9? Putain de merde, non, c'est à tester, mais si je le teste, c'est à Lyon, les frères. Uniquement, tu vois, parce que c'est quand même une position bizarre et tout, les astres, ils tournent et tout. Dédicace à tous mes Lyonnais, d'ailleurs. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Bon, les amis, je sais que c'est pas bien, mais t'as capté, je pense. C'est déjà arrivé aussi à toute personne. Bref. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Non, les frères, on n'a pas été jusque-là. Quand même pas. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Putain de merde, non, ça c'est un truc à faire, mais pas encore, hein, quand même. Je suis jeune, hein. Bon, j'espère qu'il y a des jeunes à mon âge qui profitent de cette jeunesse, tu vois ce que je veux dire, mais personnellement, non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Bon, les frères. Là, c'est pas ce que vous pensez, il n'y a pas eu de bail bizarre, mais vous inquiétez pas. Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiqué le bondage? Je suis pas dans ces délires-là, personnellement, tu vois. Ça se trouve, un jour, je tomberai sur quelqu'un qui va m'attacher et tout. Je vais me dire, what the fuck, frérot, tu vois, et je vais kiffer, tu vois, ça se trouve. Mais pour l'instant, ça m'est jamais arrivé, donc non. Avez-vous déjà utilisé des jouets de sexe?
putain de merde, non, jamais, désolé, c'est le terme, il me tabasse, il m'exécute, putain de merde, je sais pas ce que j'ai, et les frères, je crois, c'est ça, c'est le retour de la débauche, les frères, je sais pas si vous vous rappelez à l'ancienne, quand je tournais des vidéos sous débauche, où j'étais, t'as capté, excité comme un ouf et tout, mais bon, faut que je me calme un peu quand même, hein. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel? Non, quand même, frérot. On essaye de se tenir malgré qu'on est, on est sous ganja, tout ce que tu veux, mon gars. On est là, on est présent. Là, par contre, j'ai fait tomber mon putain de... dans mon sandar, les gars. Ça, c'est un cauchemar, ce sandar, les frères. Parce que tu vois, du coup, ça fait un bail comme ça. C'est pour voiture de base. C'est pour refermer comme ça dans la chambre. Tu vois, ça sent un peu moins... Enfin, genre, t'as capté les mégots. Quand t'écrases, après, ça fait une odeur dans la chambre. Mais du coup, c'est chiant parce que du coup, quand je pose le putain de J, il tombe, ce bâtard. Bon, bref. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Putain de merde. Non, malheureusement, les gars, je crois que j'ai même jamais de ma vie rentré dans un sex shop. J'aimerais bien un jour faire un petit tour si quelqu'un veut m'accompagner, les gars. Je sais pas, pour... juste pour faire un tour, t'as capté, pour se taper des barres et tout. Mais pas de trucs bizarres, mais voilà, j'aimerais bien voir au moins une fois, tu vois. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un? Oh, non, frère, hé, laisse tomber, t'es un ouf, toi. Mais t'es un... c'est un malade, lui. Avez-vous hésité? Mais j'ai zéro, frère, j'ai hésité, j'ai même pas fini ta putain de question. Avez-vous déjà eu un coup d'asseoir? Non, personnellement, ça m'est jamais arrivé, les gars, comme je vous ai dit. Vous êtes-vous déjà masturbé en téléphone? Non, frère, ça, c'est un bail. Ça, c'est les gens qui... t'as capté, ils appellent des numéros et tout. Il y a des meufs, ils les chauffent et tout. Ils sont là, vas-y, vas-y, dis-moi tout et tout. Je te crache à la gueule et tout. Ah, c'est des ouf. Non, on n'est pas dans ça, nous. Masturbation mutuelle. Oh, ça... bon, ça quand même, oui, ça c'est arrivé. Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Oh là là, les cochonneries. En vrai, je crois quand j'étais jeune, ça a dû m'arriver, tu vois, même. Ça fait longtemps que je me rappelle plus de mes rêves, malheureusement, à cause de la ganja, man. Avez-vous déjà eu des... non, frère, je suis pas une chouan ou je sais pas quoi, t'es un ouf, toi. Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public? En vrai, est-ce qu'un cul, ça compte? Parce que tout le monde a déjà sorti un cul dehors, tu vois, ça arrive. Donc, en vrai, je vais dire non, parce que ça compte pas. Avez-vous déjà été infidèle? Non, les frères, on a dit, on fait pas ça, nous. Vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Pas de regrets, les frères, hein. One life, hein, nique sa mère, hein. Désolé pour le one life. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un acte téléphonique pendant un acte sexuel? Ah oui, j'ai confondu un peu les deux, mais non, j'ai jamais fait ce genre de truc, les gars, je réponds pas tout court, t'es un ouf, toi. Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte sexuel? En vrai, ça, les gars, quand même, oui, tu vois, parce qu'il y a toujours un fond, un truc qui passait ou quoi, enfin... Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Non, jamais de perte de connaissance, les gars, je crois, moi, ça m'est jamais arrivé de ma vie de... genre de pas me rappeler ce que j'ai fait d'une soirée, tu vois ce que je veux dire. Êtes-vous tatoué quelque part? Non, pas encore, malheureusement. Bientôt, on va faire des bails, ça va être sale. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives? En vrai, je crois que ça a dû m'arriver, genre au McDo ou quoi, ces conneries, vous savez, ils demandent un don, je crois, étant foncedé, ça a dû m'arriver, tu vois ce que je veux dire. Oh, c'est déjà fini, wesh. Ils ont pas posté... Hé, je m'en rappelle, il y avait une question où ils demandaient sur les pipao et tout. Putain de merde, non. Ça, je suis dégoûté, ça. Bon, est-ce que vous voulez la réponse quand même, les gars? En vrai, je suis bien de ouf, hein, les gars. Regardez-moi ça, vous êtes plutôt purs. On s'en doute, les gars, c'est au niveau de la drogue que je me démarque, voilà. après, le reste, ouais, en vrai, c'est un de merde. J'ai pas trop de morale et pas trop de sexe. En vrai, c'est réel, j'ai bu plus d'alcool, positif. Ouais, en vrai, ça va, c'est pas mal. Hein. Ouais, ça va. Hein. Moi, je trouve en vrai, c'est pas mal, les gars. N'hésitez pas, en vrai, à me dire dans les commentaires, pour ceux qui l'ont déjà fait, tu vois. C'était quoi votre note? Enfin, combien vous avez eu ou quoi? En vrai, ça peut être super intéressant. Puis voilà, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, petite rare vidéo où on n'a pas trop de bédo, les amis, donc bon, je vais tirer une petite barre quand même, vous êtes pas venus là pour rien, les gars, et puis je l'ai pas roulé pour rien aussi, enfin même si, je vous avoue, celui-là c'est le bédo d'hier, les amis, il est 17h14 aujourd'hui, donc quand même, il a fait son temps, le bail. Bon, les amis,
En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, ça change de ce qu'on fait d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires et tout pour me dire ce que vous en avez pensé. Même, je pense, je vais essayer de me chauffer, tu vois. Là, en ce moment, j'ai envie de me chauffer au niveau du montage, tu vois, vous sortir des petites dingueries, vu que là, je suis vraiment dans un espace où je peux vraiment faire mon bail carré et tout. Donc, je vais essayer de bien bosser ça, les frères, bref. En tout cas, les gars, si jamais vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, activer la cloche et tout, les frères. Le like aussi, putain de merde, les likes, les frères, quand même, comme ça, cette vidéo. Venez, on essaie de faire percer un peu le bail, tu vois, genre, sur YouTube, jamais, tu vois, ils recommandent de ouf mes vidéos, donc je me fais un peu enculer là sur une vidéo comme ça, les frères. Pour une fois, on peut parler de Gudro dans un cadre légal, donc voilà, les gars, c'est parti. J'espère que vous avez kiffé, en tout cas. Putain de merde, je fais que de dire ça, les gars. Moi, parce que je crois, j'ai trop kiffé, les gars, je suis trop excité, encore une fois. Bon, je vais me calmer, les frères. Et sur ce, je vous laisse redormir tout ça. Bref, je sais pas pourquoi je dis ça, frère. Putain de merde, allez, tchou bye simère. Aïe, c'est le long de mon cœur, je taille, libérer mon rêve, vous êtes bête ou quoi? Aïe, c'est le long de mon cœur, je taille, libérer mon rêve, vous êtes bête ou quoi? Design tout le long de mon corps, je suis frais, c'est rebegette.